Hello, my name is Stephen Cronk from Maison Mirabeau. And I'm Jeannie Cronk, also from Maison Mirabeau. The story of the gin probably starts with me being English and being a gin fan. And when I discovered that neutral grape alcohol could make beautiful smooth gin, we just had to have it. And we are located in one of the most famous parts of the world for the botanicals. We have all the influence of the perfume industry. And so when you combine wine, gin, and perfume, the botanicals, you end up with the perfect ingredients for an amazing gin. C'est vraiment une confluence de plein de facteurs. Donc on avait évidemment notre héritage britannique. Stephen est très amateur de gin depuis longtemps. Moi, j'adore toutes les plantes botaniques qui sont dans le coin. Je me balade sans cesse ici dans la nature. Après, on adore évidemment la parfumerie. Grasse, c'est juste à côté. Donc, on a mis tout dans un grand incubateur et on a sorti en fait le gin qui est élaboré à la base de l'alcool neutre de raisin. Donc, on a vraiment un côté vin aussi. Et évidemment, on a une très belle couleur rosée qui est très attirante. Alors la botanique, cette bouteille, elle m'a plu depuis toujours en fait. Je la connais déjà depuis quelques années. On n'a jamais eu vraiment de projet pour. Donc quand le moment du gin est arrivé, je suis tout de suite revenue dessus. Et c'est vrai que là, vous avez beaucoup d'éléments de dessin qui sont intégrés. Ça a été un projet qui était assez compliqué, on a mis du temps. Vous avez ce côté un peu art déco, vous avez un petit œil de bœuf provençal là avec notre logo intégré. Après, vous avez aussi l'emplacement pour l'étiquette où vous avez plein de petits messages. D'ici, vous avez les tomates en arrière-plan de l'étiquette. Et je trouve qu'elle fait vraiment un très joli ensemble. Et les gens l'adorent en fait. On a gagné deux prix qui sont assez importantes dans le monde du gin l'année passée. Donc on est vraiment très fiers de cette bouteille. L'estrie verticale, c'est vraiment un clin d'œil à l'architecture art déco qui est quand même très présent dans la Côte d'Azur, dans les jolis bâtiments qu'on trouve ici. Donc ça, j'ai repris cette idée ici. On est connu pour un bon packaging, donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis très fière. Je sais qu'on n'a qu'une chance, c'est qu'une ou deux secondes qu'on a en face du consommateur. Donc il faut convaincre, il n'y a pas d'autre choix. Les gens ils choisissent quand même souvent avec les yeux dans un petit moment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et sur toutes les gammes. Et le gin, ça permet d'être encore plus élaboré et encore plus complexe que en fait, le monde du vin. Le 20 centilitres qu'on vient de lancer là, c'est vraiment le bébé, et on l'appelle le bébé gin, donc c'est vraiment, il est mignon, encore une fois très attirant pour les gens. Et il a plein de fonctions en fait. Déjà au niveau échantillonnage, c'est quelque chose qui est très sympa. On peut, au lieu d'envoyer une bouteille de 70 ou 75, on peut envoyer une petite bouteille comme ça, qui fait quand même gat cocktail ou gat ginto. C'est un super cadeau. On a tout de suite flashé sur ce format-là pour plein de raisons et pour aussi une présence dans les rayons qui va être tout de suite, je pense, très sexy et très attirant pour ce produit-là. L'accompagnement de la part de Saverglass était c'est pratiquement depuis le tout début de notre histoire. Et c'est vrai qu'on a toujours connu une ouverture d'esprit, une réactivité qui nous a beaucoup plu. Après, vous démarrez déjà avec des produits qui sont très jolis. Donc on a toujours un choix devant soi quand on a des projets et très intéressant. Vous avez vraiment une connaissance des formes et du verre qui est assez unique dans le monde. Et donc quand on est arrivé, surtout avec le gin, parce que c'est un projet quand même qui est assez compliqué et qui a demandé beaucoup de techniques, de maîtrise de techniques. Et on était très bien accompagnés et je pense que Saverglass aussi était assez content avec le résultat de ce projet et les récompenses qu'on a eues dans le monde entier. The positioning of the gin is really at the ultra premium level, and this is a very qualitative product, and it's a serious gin.
There are a lot of colour gins in the market which are flavoured, whereas this is a London dry style, and so it's very important for us that we're pitching our gin at the top level of the market. So we were very lucky with the uptake of the gin because we were already selling our wines in the supermarket Waitrose. They love the concept, they love the liquid, and it's actually immediately become one of the top three selling ultra premium gins. I think that's partly because the packaging is so beautiful, but then when people take it home and try it, they realize that actually the liquid is also beautiful. So everybody's been really overwhelmed by the success of this rosé gin. We have several ideas to develop the gin. The gin is a fascinating category right now, and it's one of the fastest growing categories in the spirits world. There are many different directions we could take the gin, and we are developing ideas right now, but at the moment it's all top secret.